Bonjour à tous, on est mardi, qui dit mardi dit nouvelle séance de sport. Merci d'être nombreux à me suivre aujourd'hui. Avec Hérouville, je vous propose une petite routine abdos, centre du corps, voilà, pour avoir un ventre plat pour cet été. On aura 8 exercices aujourd'hui, que du gainage, que des abdos pour renforcer la chaîne abdominale, les lombaires, les fessiers, voilà, vraiment le centre du corps. On aura 8 exercices enchaînés avec 10 secondes de récupération entre chaque et 40 secondes. On fera 3 tours, d'accord? On va partir directement pour le premier tour. Je vais vous montrer, c'est super simple, les exercices de toute façon vous les connaissez. Il vous faut juste de la motivation, votre sourire. Mettez un tapis si vous voulez. Vous voyez, moi je suis chez moi aujourd'hui. Donc comme quoi, on peut vraiment réussir à faire ça depuis chez soi. Ok? Une bouteille d'eau, c'est bien sûr très très important. On part 35 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. On va commencer directement avec un abdo. Vous me suivez, vous êtes prêts. J'espère que vous êtes motivés. Ah, on a les crocs. Je mets le chrono. Ok, premier exercice. On va s'allonger sur le dos et on va relever le bassin. Voilà, la tête bien au sol. Tac. Et voilà, on déroule le bassin. On souffle, on inspire. Voilà. Allez, les mains bien au sol. Le premier tour vous servira d'échauffement, comme ça vous connaîtrez bien les exercices pour la suite. Allez, hop, hop. Donc vous voyez, quand vous arrivez là, clac, vous devez mettre un petit coup de bassin en contractant bien les abdos. Inspire bien. Ok, repos, tout de suite, on change de position. On se met en position de gainage sur les coudes. Hop, je vous rappelle, les coudes sous les épaules. Et voilà, le regard bien vers le sol, les abdos contractés, les fessiers serrés. Hop, moi je suis sur les genoux, bien sûr, vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds si vous sentez que vous en êtes capable. Désolé, il y a un chat qui passe. Allez, on contracte bien les fessiers, on serre ses abdos. Voilà, sur les genoux. Et donc ça, le gainage, important. On va renforcer toute la chaîne abdominale principalement. Repos. On enchaîne exercice 3 pour travailler les obliques. Les obliques, c'est les abdos sur les côtés. Hop, on va poser ses talons. Et voilà, le regard bien vers le ciel. Et là, on va faire des mouvements sur les côtés pour aller toucher ses talons. Allez. On souffle bien. C'est le premier tour, pas besoin d'aller chercher bien loin. Pas de tension dans la nuque. Yes. Allez. Ok, repos. Parfait, prochain exercice. Gainage latéral. Je vais poser une jambe à 90 ici, relever et c'est parti. Dites-vous que vous avez un fil qui vous tire vers le haut. Ok, on contracte bien ses abdos. Voilà. Les fesses sont toujours serrées. Voilà. Genou à 90 en bas qui nous permet d'être stable. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez vous mettre sur les jambes, directement sur les pieds. Voilà, on rajoute une petite difficulté. Encore une fois, je vous rappelle, ici, vous êtes parfait. Allez, on se motive, on met un peu de musique chez soi s'il faut. C'est nickel. Ok, repos. Prochain exercice. Vous allez vous mettre sur le dos. Et là, on va pousser sur les talons pour relever son bassin et bloquer en haut. Voilà, quand vous êtes en haut, vous contractez bien vos fessiers. Serrez vos abdos. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur un cours cardio. Voilà, appuyez bien sur vos talons pour monter. Et quand vous arrivez en haut, vous devez être aligné genoux, hanches, épaules. Vous voyez, une belle planche. Tac. Allez. Parfait. Allez, pour pas être bancal, on a fait gainage d'un côté, on fait gainage de l'autre côté. Le genou 90 en bas. Hop, le fil qui nous tire vers le ciel. Voilà, on regarde bien devant.
Show me how to make moves and walk with the winners. Soon went to the pen and never seen them again. But I did a couple shows with friends. Lumberjack Brown clown. Ça, cette routine là, vous pouvez vraiment la faire toutes les semaines si vous le souhaitez. Elle est vraiment très complète. Allez, on fait un choc. On va être fier de soi après. Ok. Prochain exercice, les ciseaux. Si vous allez piquer un petit peu, je vais me mettre sur les coudes à l'arrière, je vais tendre les jambes et je vais tranquillement, voilà, battre des jambes. Plus vous allez lever les jambes, moins de difficultés vous allez avoir. Donc commencez ici déjà. Je vous assure que là, ça travaille vraiment, vraiment fort. Et si on se sent bien, on descend un peu plus bas. Mais là, ça brûle très, très vite. Allez, chacun son option. Si vous pouvez pas, vous tendez une jambe après l'autre, comme ça. Voilà, c'est une option. Vous voyez ? Ok, repos. Vous êtes prêts ? Dernier exercice. On part tout de suite pour Superman. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Au sol. Tac. Voilà. Main devant la tête, le front sur les mains. Et là, clac, je vais venir remonter. Désolé, j'ai eu un petit problème de chrono. Voilà, le but c'est de venir lever les genoux. On contracte fort les abdos. Allez, on lâche pas. Allez. 4, 3, 2, 1. Ok, repos. On est sur la fin du premier tour. Allez, profitez-en pour boire. Reposez-vous. Je remets le chrono, je vous avais oublié un exercice. Non mais comment ça? Comment ça je vous avais oublié un exercice? Ok. Voilà, parfait. On souffle bien. On boit un peu d'eau et on repart. Vous voyez, on a nos 8 exercices. Nos 8 exercices sont là. On a gainage latéral, on a gainage ventral, on a des abdos obliques, grand droit, sur le côté, les lombaires, il y a tout, c'est vraiment complet, ok? N'hésitez pas à refaire ça souvent chez vous. Ok, on se remet en position, on repart tout de suite pour le premier abdo dans 5 secondes. Allez. Allez. La tête bien au sol. On souffle. Yes. Yes. Allez. Ok, parfait. On passe sur le gainage. Sur le deuxième tour, on va rajouter une petite difficulté, d'accord? Pour ceux qui le peuvent. Ça veut dire que certains, on reste ici sur les coudes ou sur les genoux. Mais même si vous êtes sur les genoux, on montera sur les bras et on va descendre. C'est ce qu'on appelle le gainage militaire. Voilà, tac. On monte sur les mains. Donc quand on est sur les mains, les poignets sont bien sous les épaules, d'accord? On essaye de garder le bassin fixe. Voilà. Allez, vous êtes au top. Voilà, moi je le fais sur la pointe des pieds, je vous rappelle. Sur les genoux, vous pouvez aussi. Faites l'effort. Chacun son rythme. On monte, on descend. Les abdos bien contractés, toujours. Ok, repos, tout de suite. Les obliques. Vous voyez, on enchaîne les 8 exercices. Derrière, il y a une petite récupération. Mais c'est très très bon. Allez, c'est parti. Allez, on pousse un petit peu ses pieds, on va chercher un petit peu plus loin. On pense à bien souffler, à bien respirer. Yes. Ah.
Allez, allez. 3, 2, 1. Repos. Repos. Gainage latéral. Vous êtes prêts? Moi, je commence côté gauche. 3, 2, 1. Et c'est parti. Vous voyez, cheville, bassin, épaule, tout aligné. Ok, on fait attention, on ne va pas sortir ses épaules derrière. Tout doit être aligné. Clac, le fil qui nous tire vers le ciel. Et là, on va rajouter, si on veut, hop, quelques flexions. Vous voyez, petite difficulté supplémentaire, si pour ceux qui veulent, clac, descendre et remonter, bloqué. On descend, on remonte, on bloque. On descend, on remonte, on bloque. Toujours bien contracter ses abdos sur tous les exercices. Allez. 3, 2, 1. Repos. Ok, repos. Parfait. On part sur le relevé de bassin. Celui-là, vous l'aimez bien parce qu'il n'est pas très difficile. Oui, il n'est pas difficile, mais quand il est bien réalisé, il travaille très très bien. Exercice. Allez, c'est parti. Tac. Allez, go. On est dans le deuxième tour. Yes. Pour ceux qui veulent, vous pouvez remonter sur une jambe, descendre les deux jambes, remonter sur une jambe. Voilà. Génial. Allez. Ok, repos. Zut. On a fait côté gauche, on passe sur le côté droit. Vous êtes prêts dans 3, 2, 1. Allez. Nickel. Yes. Allez, 35 secondes d'effort. Allez, 1, 2, on fait une petite flexion. 3, 4. Je me mets sur les deux jambes. 5, 6, 7, allez, 8, 9. Allez, allez. 3, 2, 1. Ok, repos. Allez. Petit tape de ciseaux, celui qui brûle. Sur les coudes ou sur les mains si vous préférez. Exercice. Jambes tendues. Et on y va. Allez. On souffle bien. Jambes tendues, si vous voulez plier les jambes, vous pouvez aussi. Ça enlève un peu de difficulté. Plus vous allez monter haut, je vous rappelle. Mais sortez de votre zone de confort. Allez-y, descendez un petit peu. Il reste 10 secondes, on y va. Allez, allez. Yes. Allez. On va avoir des abdos en béton avec ça. Ok, repos. On enchaîne avec Superman. Je vous rappelle, Superman. Voilà. Le ventre bien au sol. Le front sur les mains pour pas qu'il y ait de tension. Et là, hop, on va remonter le bassin. Vous voyez, là, mes jambes, elles remontent. Montez pas trop, ça sert à rien d'aller là-haut. Juste une petite montée pour décoller vos cuisses. Vous devez sentir qu'au niveau des fessiers et des lombaires, ça travaille. On serre les fessiers. Hein. Serrez bien vos fessiers sur cet exercice. Allez, go. Go. Allez, on serre les fessiers plus fort encore. 3, 2, 1. Repos. Ok, repos. 40 secondes de récupération, les amis. On vient de faire deux tours. On part sur un troisième et dernier tour. 8 exercices, 35 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. On enchaîne. Allez, on est courageux. Buvez un coup chez vous. Soufflez bien. On repart dans 20 secondes. L'exercice aujourd'hui n'est pas du tout cardio, c'est vraiment une routine. Une routine ventre plat, abdos, lombaires, fessiers. Ok? Allez, on souffle bien, on part dans 7 secondes. Et oui, c'est déjà le moment d'y retourner. Allez, vous êtes prêts? C'est le dernier tour, les amis. Allez, hop! Hop, on y va. Go! 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 Yes! Pour ceux qui veulent, vous faites chandelle en haut et vous allongez vos jambes en bas. Voilà, c'est le dernier tour. Quand vous redescendez, pensez à bien dérouler votre dos. Voilà. Voilà. Yes.
Yes. Yes. Parfait. Vous êtes au top. On enchaîne. Le gainage. Donc je vous rappelle, là on était sur le gainage. On passe tous sur les mains. Ok. Et là on va faire tape épaule. Venez taper vos épaules. Voilà. Main gauche, épaule droite. Main droite, épaule gauche. Le regard bien vers le sol. Ok. Les poignets bien sous les épaules. Je suis sur les genoux, c'est la même chose. Voilà, je suis sur les genoux, je contracte, forme les abdos, forme les fessiers. Allez, serrez vos abdos, regardez le sol. Vous devez vous sentir solide. Allez, top, on y est là. Yes. Parfait. On enchaîne, tap talon. Allez, on pousse un petit peu nos jambes. Parce qu'on va aller chercher un petit peu plus loin vu que c'est le dernier tour. Et c'est parti, le regard bien vers le ciel. Les abdos contractés. Go. Yes. Allez. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Ok. Ok, repos. Nickel, gainage latéral. On continue les amis. Vous êtes prêts? Allez sportif, go. Gainage latéral. Tout à l'heure je vous rappelle que on faisait une flexion. Et bien maintenant on va lever une jambe. Hop, on repose. On lève, on repose. Pour ceux qui veulent, vous restez en statique. Je vous rappelle, genou plié aussi également comme ça là. Tac, je peux lever une jambe. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Du moment que vous contractez bien vos abdos, vous serrez vos fessiers et que votre fil vous tire toujours vers le ciel, c'est parfait. Les autres, on peut lever la jambe. Allez. Voilà. Ça rajoute du déséquilibre, donc une difficulté supplémentaire. Ok, repos. Yes. On y est. Vous êtes prêts? Relevez de bassin. Go. Allez. Oui. Oui. Je vous rappelle, sur une jambe, yes. On pose. L'autre jambe, yes. Yes. Voilà, on rajoute de la difficulté. C'est le dernier tour, c'est le dernier exercice. Appliquez-vous surtout, hein, dans la fatigue. Je vous rappelle, genoux, bassin, épaule. Ok. Clac. Clac. Oui. Yes, on y est. Vous êtes bon. Allez. Ok, repos. Parfait. Allez, le petit gainage qui va bien sur le côté. C'est parti. Oh. Hop, je lève la jambe. Pour ceux qui veulent, vous restez bien sûr comme ça. Les autres. Tac, on y est là. Allez, il vous reste 20 secondes d'effort. On est sur la fin. Clac. Clac. Ouais. Ouais. Allez, allez, allez. En statique si vous voulez. Allez. 8 secondes. On fait l'effort. On tient. On serre les abdos. Allez. On serre les dents. Ok, génial. Deux exercices. On part. Pour notre petit abdos ciseau. Je vais le mettre comme ça, tenez, si vous voulez. Et c'est parti. Histoire de changer un petit peu. Allez. Je vous rappelle. On peut mettre haut, on peut descendre. Yes. Allez. Allez, 15 secondes, on souffle bien. Oui, il fait mal celui-là. Mais quand vous aurez un ventre plat et des tablettes de chocolat à la plage, vous allez me remercier. Allez, go. 3. Ok, dernier exercice pour travailler les fessiers et les lombaires. Je vous rappelle Superman. On s'allonge. Le front sur les mains. Et on lève les cuisses. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez également lever les coudes et les épaules. Hop. Faites attention à ne pas monter trop pour ne pas vous faire mal au dos. Voilà, on monte les bras, la poitrine. En même temps que les cuisses.
On décolle la poitrine et les cuisses en même temps. Allez. Ouais. Ouais. Allez. Courage. Ah yes, yes. Terminé, terminé. Wouh. Ah, allez. Yes. Félicitations. Récupérez. C'est parfait ça. Vous venez de faire 3 tours. Les soldats qui sont vraiment, vraiment, vraiment motivés et très, très forts, vous pouvez partir sur un 4e tour. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous assure que cette séance, elle est juste top. Ça a vraiment un rappel centre du corps, très, très complet. Respirez bien. Buvez hein, si vous pouvez. On va faire un ou deux étirements pour pallier à tout ça. Je vous montre les étirements à faire chez vous. Voilà, vous pouvez venir vous asseoir sur vos talons. Et on va aller chercher loin devant pour retirer le bas du dos. C'est la pose de l'enfant, rentrez votre talon. Allez, on inspire, on va chercher loin devant. On expire. Vous pouvez être fier de vous, vraiment. On roule un peu les épaules, on recommence. On inspire, on va chercher loin devant. Et quand on expire, naturellement, nos bras vont revenir sur nous. Parfait. Posez la tête au sol. Mettez vos bras sur les côtés, détendez-vous. Génial. On va passer sur le dos. Allez-y. Mettez-vous sur le dos, allongez-vous confortablement. Vous allez ramener votre genou vers votre poitrine. Voilà. Et là, on va étirer tous notre fessier. Pensez à bien respirer. Yes. La tête bien au sol. Parfait. Vous pouvez retendre la jambe. Ok, nickel. Fais l'autre jambe, bien sûr, désolé. Je vous le dis pas, vous n'allez pas le faire, vous allez rester sur la même jambe. Allez, on ramène son genou vers la poitrine. Vous devez sentir l'étirement au niveau de votre fessier. C'est génial. Ok. Ramenez vos deux genoux sur votre poitrine. Et là, on va faire des petits ronds. Vous devez avoir votre bas du dos qui est bien plaqué au sol. Voilà. De gauche à droite, de haut en bas. Allez-y. Massez votre bas du dos. On le mérite. Yes. Ok, on va tranquillement se laisser tomber sur le côté. On va pouvoir se relever. Ah, voilà, on fléchit légèrement les genoux. Les mains au ciel. Allez, on est relâché là. On va venir sur le côté droit. Plus aucune tension dans votre corps. C'est de l'étirement, c'est un retour au calme. Même si on n'a pas fait monter le cardio. On inspire par le nez, on expire par la bouche et on change de côté. Allez. Vous voyez, mes genoux sont légèrement fléchis pour qu'il n'y ait aucune tension dans mon corps. Parfait. On va rentrer le menton, on va fléchir les genoux et on va arrondir le dos pour aller chercher loin devant. Vous voyez, menton rentré, le dos arrondi, les genoux fléchis et on va chercher loin devant. Ok, parfait.
Dernière fois. On va inspirer, on va aller monter loin, loin. En haut, on inspire, on inspire. On relâche. Encore une dernière fois. On inspire, on inspire, on inspire. On va chercher haut, on va chercher haut, on va chercher haut. On relâche et on peut s'applaudir. Yes, 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 yes. Une de plus. Vraiment, bravo à vous d'avoir fait tout ça. Je vous remercie de me suivre. Je suis pressé, pressé, pressé de vous rencontrer. Derrière une caméra, c'est tout de suite... voilà, il y a moins de contact et c'est moins plaisant. Mais voilà, en tout cas, je vous lâche pas. On continue les séances de sport. J'espère que vous êtes rigoureux. Normalement, si vous êtes rigoureux, cette séance, elle passe normalement toute seule. N'hésitez pas à la refaire toutes les semaines si vous voulez. Je vous assure, les exercices sont simples à effectuer. Et vraiment, on continue, on lâche pas. Le sport, c'est pour tout le monde dans le cadre de Paris 2024, dont Hérouville est ville support, terre de jeu 2024. On lâche rien, on est à fond. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.